Partie de Douala, dans la matinée du dimanche 7 février 2021, la délégation de l'association de la communauté du Grand Nord, CGN, a été accueillie à l'aéroport de Ngaoundéré par le Sarki Rapide Ngaoundéré. Conduite par Sa Majesté Abdel Nasir Gatché, président du conseil des sages de la CGN, l'équipe mandatée par le superviseur général Dr Mohamedou Bayrou Fadil est allée à la rencontre du Lamido de Ngaoundéré, Sa Majesté Mohamedou Ayatou Issa. En effet, s'inscrivant dans une dynamique de développement et du bien-être des filles et fils du septentrion, la CGN et le Dr Mohamedou Bayrou Fadil se sont résolus à capitaliser toutes les opportunités pouvant promouvoir et favoriser l'épanouissement de la communauté du Grand Nord. La rencontre avec le Lamido de Ngaoundéré rentre ainsi en droite ligne de l'encadrement et l'accompagnement des jeunes dans divers domaines, dont l'agriculture et l'élevage, pour le cas d'espèce. Il s'agit alors, par cette visite, de solliciter de Sa Majesté Mohamedou Ayatou Issa, avec qui le docteur Mohamedou Bayrou Fadil entretient des liens particulièrement forts et solides, sa sagesse et surtout sa proximité et sa parfaite connaissance des populations pour réfléchir ensemble sur la meilleure approche possible pour aider les jeunes à investir dans ces domaines porteurs. Cette visite d'une journée, soit en vol, aller-retour, aura permis d'asseoir un plan de travail afin de mieux orienter, encadrer et soutenir les jeunes pour un investissement conséquent dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage. Pour rappel, la délégation mandatée par le superviseur général de la CGN, Dr Mohamedou Bayrou Fadil, était composée de 5 membres. Leur Majesté Abdel Nasir Gatché, chef de délégation et chef de la communauté Foulbé des Douala, El Hadj Amadjoda, Fika Bonaventure, le vice-président de la CGN Mathieu Wamba et Abba Yaouba, dit PDG Adamawa.